Eric le retour, l'enfant. Eric le retour, le king. Comment tu m'as conçu, tu vas faire recul un peu, c'est quoi? On ne s'assoit pas à côté de l'autre, on le colle. Quand vous cartez, où est-ce que le goudron, c'est quoi? Il n'y a même pas les bizarres, vous vivez, c'est comment? Bro, il y a une chose que toi tu vas comprendre. Ça, c'est un quartier de bosse. Tu vois? Un quartier. Et les moulins, comme nous, on va vivre dans des endroits comme ça. Toi, tu joues dans la bouse où il y a la boue partout. Moi, pourquoi je n'ai même pas d'abord vu chez toi? Bon, quand vous venez ici, quand il plaît ici, là, tu fais comment pointer chez toi? Non! Si la pluie t'engage au goudron, c'est jusqu'à chez toi, man. Tu as fait entrer quelqu'un chez. Comment? Même le bandit. Je parlais qu'ici, là, chez vous, là, personne ne parle dans le dé de l'autre. Comment si chacun de sa barrière, comment? Vous comptez là-bas où? C'est pas bien, mon frère! En fait, les portails sont tellement hauts, les héros. On peut t'agresser dans 11 jours, on peut t'agresser. C'est moi qui respecte dans votre quartier ici. Et les enfants d'ici, méprisant comme ils portent les vestes, ils gardent les voitures de leurs parents. Les enfants d'ici, là, un enfant qui est né ici peut même payer une voiture. Bon, regarde, non. Les moulins que tu vois là, c'est les moulins bonbon. C'est que quand tu veux moulin là, il a au moins déjà au moins 15 millions dans son compte bancaire. Il souffre de rien. Ils sont tous là, ils sont comme s'ils dorment sur le lait. Ils ont les gros jours et tout. Regarde les voitures, les enfants. Mais ce sont les bébés, les gens, on les nourrit avec. Et tu m'appelles ici, le Lido, non, bro? C'est Lido. Ouais, le Lido, man. Tu vois comment il bat quoi? Je sais même pas ce que c'est. Non, gars. Parfois, il faut changer un peu d'air et tout, gars. C'est bon. Quel air est pur? Il y a plaisir, mais il y a encore quel air pur? Vous goudronnez partout dans les chambres, il y a encore l'air où? C'est ça qu'il s'agit, regarde, alors, t'as, man. Il n'y a même pas la bouche, ça. Là, ça, je suis. Tu peux marcher, man. C'est un petit frère qui me donne l'argent au quartier. Je l'ai vu avec ce petit frère. Toi, tu marches avec une chaussure comme ça par rapport à quoi? Alors que tu me donnes l'argent. Comme je connais ton haut là, man. Attends. T'as marché de où? Parce que, non, je suis sûr que tu as compris. C'est là que je vais me demander si. Non, je sais que tu as compris parce que tu sais, au cas ça, tu peux pas brûler la machette, gars. Parce que si on te voit ça marcher avec ça, c'est le propre gars. Qui va me parler fort? Tu as un pelard, il va me coller. Tu vas me coller qui? C'est juste ce qui arrive, man. Dans mon quartier, si après on me mettre en chemin, vous pouvez me faire quoi? C'est toi, mon don. Regarde, toi, tu as un retour sur moi. Je suis parti, je suis parti sur une fête. Bon, là. Ah, go, man. Je me sens pas bien ici, retourne dans mes pieds. Là, go. Il y a les endroits quand tu es là, tu te sens pas bien. Eh ben, bon, bro, suis-moi sur place. Là, bon, je viens. Ok, man, ensemble. Ok. Le gars est mal à l'aise quand il arrive dans mon secteur, alors, de retour. Eh ben, aussi, go. Eh ben, pour ma zam. Non, je t'assure qu'il faut que je puisse faire vraiment les rapports, j'ai les trucs à déposer, il faut que je rencontre le superviseur et tout ça. Tu comprends un peu? Mais ouais, je vais déjeuner sur ma table avec les enfants. Oh chérie, c'est vrai que je dois déjeuner avec les enfants, mais on peut remettre ça, non? Comment ça? Vraiment, je suis pressé, chérie, vraiment, je n'ai pas le temps. On va ça le soir, ok? Je rentre le soir, ok, chérie? Hein? Ok, d'accord. Bon, je porte bien. C'était joli, oh mon Dieu. Pas bien, hein? D'accord, bye bye. Comment ça va et toi? Ça va bien. Tout ça, tout comme ça. Ah, Hélène, je suis allée accompagner mon mari alors qu'il ne devait même pas partir au travail. Attends, je suis accompagnée ton mari alors qu'il ne devait pas partir au travail. Tu es sereine comme tu es sereine là. Ah, maman, tu devais faire comment? Il m'a dit qu'il était pressé, que oh, c'est mon fils, c'est le sang, patati patata, qu'il doit aller au travail et qu'il est né en retard. Il peut travailler un jour où il ne doit pas travailler. Je ne sais pas que le mariage est très précieux. Tu sais comment les femmes cherchent au mariage ici dehors, maman. Donc, toi, tu es là, tu t'es tranquille, tu as eu la chance. Le Seigneur t'a envoyé ton mari très jeune. Vous êtes mariés à la meilleure église, communauté de bien, monogamie. Mais toi, tu es là, tu ne sais pas quel est le temps ici dehors. Hey, maman. Comment ça, tu parles comme ça? Tu me fais avoir peur. Je dois te faire avoir peur parce qu'il faut que tu comprennes. Parce que vous êtes souvent que quand tu as quelque chose, tu ne connais pas la valeur de la chose que tu as. Je te dis, moi voici sinon, je suis ton aîné. Moi voici, je cherche le mariage, j'ai à crimer. Je suis là partout. En fait, mais on ne m'a jamais légalisé. Toi, on t'a légalisé. Tu joues avec. Il sort et te dit que non, il faut travailler. Quand un homme commence à faire comme ça, c'est qu'il y a un bout sur roche. Tu comprends, non? Si un homme, le jour où il est censé rester à la maison, il te dit qu'il peut travailler, il part dans quel travail. Si tu avais même dit que non, il part retrouver ses amis, tu pouvais comprendre. Si tu avais dit que non, là où il est là, il est en train d'aller prendre un pot, oui. Mais il est dit, quel mensonge aussi bête. Quel mensonge aussi bête. Et toi aussi, tu restes tranquille. Kounia, oui, mon mari, là, il dit qu'il part au travail. Pourtant, il ne travaille pas aujourd'hui. Toi aussi, tu laisses.
maman, dans la vie c'est la bastonnade. Tu comprends, non? La vie c'est la bastonnade. Et dans la vie, quand tu as quelque chose, il faut la préserver, la conserver. Parce que sinon, tu vas te retrouver en train de regretter ou bien en train de marcher, tu parles seul. Hein? Une belle fille comme toi, comme ça, je ne veux pas que tu te retrouves en train de souffrir alors que tu as eu ton mari. Moi, que vous voyez, vous êtes un beau couple, un jeune et beau couple, très bien ensemble. Tu comprends, non? Mais les bipèdes de dehors, là, c'est comme ça qu'elles sont. Quand elles voient un homme aujourd'hui, elles sont à la bango-bango parce qu'elles ne cherchent aussi la question. Donc tu devrais mieux prendre soin de ton foyer. Je suppose qu'ensuite on ne va pas voir où il part. C'est mieux. C'est ce qui prend son enfant. Comme nous sommes en train de partir là, je ne veux pas qu'en route tu me fasses ce bon. On doit le suivre, peu importe où il part. On va partir. Même s'il faut que moi-même gère le taxi, si tu n'as pas l'argent, s'il te plaît, on va gérer. Tu sais que quand on a quelque chose, comme il dit, il peut préserver la chose là. Et tu sais, ton mari, il peut être même l'homme parfait, il peut être même bien, il peut même vouloir ne pas te tromper. Mais il y a les femmes ici dehors qui, leur travail, c'est manque de tout les mari des gens. Donc, comme cela, on parle aussi. Sûrement, l'amour n'a pas encore la moto. Tu vas nous voir. Voilà, donc, allons-y. Oh mon bébé. C'est comment? Depuis que je t'attends ici. Oh chérie, excuse-moi. Tu sais, il y a beaucoup d'embouteillages, il y a beaucoup. Vraiment, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais c'est seulement que le corps est sexy. Oh, laisse-moi te voir quoi, chérie. Je viens de voir. Ouh, waouh. Waouh. Il y a de la chance. Hein? Comment tu vas alors? Tu as bien dormi? Bien. D'accord, d'accord, chérie. En fait, tu sais, tout à l'heure, on va dans un chien. Ça va te rendre magnifique. Parce que tu mérites des ronds. Maman, c'est lui. Antis, la bête. Il m'a dit qu'il partout travaille. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Pardon, allons. Tu dois récupérer tes choses. Monsieur, ça c'est le travail. Ça c'est le travail. Et c'est qui ici? C'est le travail ici là. C'est tu cravates le mari de qui? Il ne vous a pas dit qu'il est mon mari. Attendez. Il est quoi? Il est mon mari. Ma chérie, attends d'abord, lâche d'abord. Laisse-moi d'abord. Attends un peu. Vraiment. Et les hommes. Maman, toi, c'est qui? Je suis sa femme. Moi aussi, je suis sa femme. Attendez, moi aussi, je suis sa femme. Laisse-moi d'abord, non. Je demande qu'elle. Laisse-moi d'abord, non. Ça va, les filles, on peut parler, non? Laissez-moi d'abord, non? Je ne sais pas où je vais mettre ça. Maman, lâche d'abord un peu son habit. Certainement, tu ne sais pas qu'il est là. Tu comprends, non? Je ne t'admets pas. Tu comprends? Moi, je suis à la maison avec lui. C'est moi qui est là. Tous les matins, je veux. Il t'a dit qu'il partait où? Il t'a dit qu'il partait au travail. Ok, travail. Tu l'as coupé au travail? Le travail c'est ici. Mais tu comprends pas le travail. Le travail c'est ici. Mami, laisse d'abord non. Ça c'est le travail. Vous connaissez qui lave ses habits? S'il vous plaît, silence. Toi, tu ne vas pas m'attendre à la maison. Monsieur me demande d'aller l'attendre à la maison. J'ai même pas moi à dire. Le gars dit comment toi tu peux m'attendre à la maison. Voilà pourquoi il part. Moi, ça va être ma chance. Après, moi, il te chale au mari. Est-ce que tu veux de partir? Demande de partir. Elle fait qui? Toi aussi, tu veux partir. Tu dois me dire. Calmez-vous les filles, calmez-vous d'abord, pardon. Non, vraiment, on peut poser comme des personnes matures. La peine n'est pas comme ça. Tu me fais attendre. Non, c'est pas ça. C'est juste que le diable ne fait que un genre là. Le diable ne fait que quoi? C'est pas moi qui fais. C'est pas toi, c'est qui? Donc comme ça tu pleures pour elle. Je pleure aussi pour toi. Attends, donc comme tu t'es placé ici, toi tu prenais ton pied ailleurs et puis tu te ramènes comme moi. Je pleure pour vous deux. Attends,
attends un peu, tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu lui as dit que tu étais où hier? Tu lui as dit que tu étais où hier? Tu lui as dit tout à l'heure que tu allais où? Non, le cravat, il a acheté le cravat. Laisse seulement le Tu vas te faire. Grand frère, il m'a laissé ce matin aujourd'hui, soi-disant qu'il partait au travail. J'arrive, ma copine, je croise ma copine à vous. Elle me donne des petits conseils, elle me demande d'avancer. Quand j'avance, je croise monsieur avec madame. Je croise que nous sommes en train. Épouse ou pas? Non, c'est le compagnon, ce sont des deux femmes. Parce qu'il y a déjà c'est que. Elle, c'est ma femme. Hein? Hein? Et elle aussi. C'est. Ta copine. Vraiment. Ça. Ça sera ma femme peut-être. C'est Dieu. Donc, ça sera ta femme peut-être alors que tu es parti chez mes parents. Donc, c'est ma femme. Alors que tu allais chez mes Pourquoi depuis quand tu viens te placer en pleine rue, tu fais le spectacle jusqu'à les gens en sortant de venir comme ça? Cette dame, je ne sais pas. Non, non, ça va aller, c'est ta copine. Ça, c'est ta copine. Ma femme, c'est, je ne sais trop quoi. Pendant que moi, je sais que il ne m'a jamais. Donc, à chaque fois, je veux te Mais comme moi je ne peux pas mon temps à venir, je vais répondre déjà. Mon petit, je suis venu aussi. Tu me visionnes. Voilà. Visionne-lui. Visionne-moi, ok. Visionne-lui. Ok. Vous avez l'argent là, je vois. Prends d'abord ça, sois ça. Voilà. Fais même bien. Voilà. Tu marches avec l'argent. Donne-moi ce que tu veux donner. J'ai pas tout travail. Voilà. N'en prie pas les conseils. Ma chérie, toi, je prends. Le retour, nous sommes en plein tournage comme ça à l'Omnisport. Nous sommes à l'Omnisport. D'où? Ouais. Dis que le chat est guéri. Salut, salut les guerriers, le retour, c'est le King Kong. Voilà, on est comme ça en plein tournage. On est venu d'un jeune frère qui se lance aussi fort fort dans le cinéma. Il s'appelle Joël Lafleur. En personne. Donc, pour, avant que je ne parle beaucoup, quand je parle, tu sais comment j'aime trop parler là. Hein? Le fait que Joël il présente toute son équipe qui est là aujourd'hui. Voilà. Déjà, moi c'est Joël Lafleur, celui-là qu'on ne présente plus également. Apprécie le bonbon. Importe. Le bonbon a colisé des belles filles. J'ai dit bien les belles filles. Je ne sais pas. Si tu es là, ne réfléchis même pas, ne passe même pas là où je suis. Ah, ça. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Ah, reviens. Ouais, je suis là, bon, tu ne trouves pas, tu vois tout le monde là. Présente-toi aussi.
Je dis que je suis pas ici, maman. Quoi. Regarde-toi. Tu donnes ton nom, non? Tu es de dans l'équipe jeune, là. Je dis quoi, allô? Allô, allô? Je suis. Maman. Maman. Maman Jackie. Maman Jackie, c'est maman Jackie. Non, mais maman. Bonsoir. Moi, c'est Moi, je voulais un nom pour demain. Actrice en herbe découverte par Joël Lafleur. C'est clair. Je complète. Moi, c'est Julia. Qui? Julia. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est douce. Elle, c'est Julia. Elle, mon cœur. C'est Julia. Actrice en herbe. Moi, c'est Emine. Emine. Le sourire de ça. Le sourire de ça. Et ça, c'est mon amour. Mon petit bébé, mon amour. Ah, bonjour. Quand je vois le bébé, je fonds. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime. T'es trop belle. Ah, bonjour. Voilà, c'est bébé Zoé. Bébé Zoé de mon cœur. Voilà. Et elle, c'est ma soeur à moi. Depuis l'enfance. Le bisou, le bisou. Les pays en France, on ne la présente pas, elle c'est bijou, comme son nom l'indique, c'est un bijou. Elle représente justement voilà. Ce bijou. C'est un bijou. C'est un bijou. J'aime un peu les bobos. Les quartiers de bobos ont des 7 ans quand on pense. Vous qui habitez dans les quartiers, vous qui habitez dans les quartiers, vous venez comme ça, vous faites comment vous voulez en sortir. Bro, moi j'ai dit que là, c'est un quartier. S'il pleut, s'il pleut ici, tu entres où? Tu n'entres nulle part, tu continues sur la route. Je parie que ici, quand il y a des chez quelqu'un, il fait son deuil seul. Qui va venir? Le portail arrive jusqu'au Lembe. Mon frère. Quand tu tournes là-bas, c'est le chien qui t'appelle que mon frère, il s'agit de toi. Tu fais et quoi que? Il y a le chien, il y a Dark Security, il y a la police, il y a la gendarmerie. Qui ça? Pour une seule personne. Qui ça, mon frère? Et c'est pour journée, ils sont dans les chambres. Les gars, libérez-vous, mon frère. Si tu amènes les gens d'ici à Colmès, les gars vont cailler. Pas ça. Ils vont barman. Ça. Vous vous connaissez même entre vous? C'est quand tu dis qu'on n'a pas de musique. Donc, tu as la musique, mon frère. Donc, si le ciel finit chez toi, n'a fait. Personne n'a fait. C'est que chez lui. Ah bon? Et surtout, tu ne peux pas faire le gars d'anniversaire, les fêtes que vous faites dans vos sous-quartiers là, ici. Quand tu m'aimes, là, pum, pum, là, yo, le bolé, là, pour, pour. Non, 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 on va vous arrêter. Donc, les gars du bolé n'arrivent pas ici. On va vous arrêter, bro. On va vous arrêter. Et je vois les 16 enfants avec ces voitures ici. Tu sens qu'ils ne peuvent pas venir dans la voiture. Les enfants. C'est ça? Il y a une, si c'était une toundra, j'ai vu une toundra là avec un petit garçon, soit c'est 14 ans. Tu sens que les machins sont garés à la maison comme ça, ils démarrent. Non, à la banque là, on veut même démarrer ça. On veut quelqu'un qui peut, qui a la volonté de démarrer. Oui. D'accord. Bon, sur ce, les guerriers derrière le retour, bon, c'est pour vous passer le bonjour. Bon, c'est important aussi de bien vivre, c'est important d'avoir le bourgeois, c'est la bonne chambre.